Donc, bonjour Tony, Eh ben bonjour David. je vais te présenter aux auditeurs et aux téléspectateurs, puisque Ouais. nous passons et à la fois à la radio 100% Johnny et à la web TV. Donc Tony Franck, C'est moi. photographe de ton état. Exactement, oui, depuis longtemps. Donc la première question que je voudrais te poser, qui me vient à l'esprit, la photo, d'où ça vient et comment c'est rentré dans ton univers? Écoute, la photo, j'ai commencé quand j'avais 14-15 ans en Normandie. Des potes à moi, un peu plus âgés, qui avaient trouvé un agrandisseur. Et donc, dès qu'il pleuvait, ils faisaient des tirages de photos. Et j'étais un peu subjugué par voir une feuille de papier qu'on met sous une source de lumière, qu'on expose. Et on prend la feuille, on la met dans un bac de révélateur et l'image monte comme ça, et j'étais un peu fasciné par ce truc-là. Et puis, de fil en aiguille, avec ces gens-là, ces deux potes, on faisait des prises de vue avec les appareils des parents. Et voilà comment, en plus, les deux mêmes types m'ont fait écouter de la musique du jazz qui arrivait en France à ce moment-là. Jazz Nouvelle-Orléans, Louis Armstrong, Sidney Bechet, etc. Après, ils m'ont fait écouter du jazz moderne, Miles Davis, Jerry Mulligan. Comme ils avaient 2 ans de plus que moi, ils étaient plus branchés là-dedans. Et petit à petit, ensuite, le rock est arrivé, le rock anglais surtout. Enfin, je dis des bêtises. D'abord Bill Haley, Elvis, et ensuite il y a le rock anglais avec Tommy Steele, etc. Donc, de fil en aiguille, j'ai fait cette espèce de parallèle entre musique et photo. Et à un moment, j'ai décidé de faire une école de photo à Paris. Il y en avait deux, une école nationale, rue Vaugirard, et puis une école privée. Ma mère s'est un peu serré les cordons de la bourse pour me mettre dans l'école privée qui coûtait assez cher, mais l'école nationale, j'étais trop jeune et il fallait le niveau du bac, j'avais que le BEPC à l'époque. Voilà, et voilà comment je suis tombé un peu dans la photo comme ça. Parce que j'adorais ça, c'est une passion, quoi. Et donc le fait que tu aies choisi le côté musical, Ouais. tu aurais pu prendre la nature, tu aurais pu Ouais. prendre les paysages, enfin tout ce que la photo peut faire. Ouais. Ça a été vraiment instinctif, ça a Non, été ça a vraiment... été parce que j'adorais la Voilà. musique. J'assistais à des concerts de jazz à Paris, à la salle Pleyel et tout ça, et puis je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas des photos? Parce que je trouvais ça sympa. Ou même, un jour, je suis allé voir Gainsbourg qui passait au Théâtre des Capucines. Je crois que c'était les mercredis ou les mardis, je crois, le Théâtre des Capucines, tous les soirs de la semaine. Chaque jour de mardi ou mercredi de la semaine, il y avait un chanteur un peu rive gauche qui passait. Et comme j'assistais au spectacle, je me disais, pourquoi je ne ferais pas des photos? Parce que j'étais attiré par le fait de faire des images, quoi. Et c'est vrai qu'après, j'ai vu à la salle Pleyel, une fois, un spectacle qui s'appelait, enfin, des jazzmen qui s'appelaient Modern Jazz Quartet, et j'ai vu au fond de la salle un type qui s'appelait Jean-Pierre Leloir, qui était au fond de la salle, qui faisait comme ça, il n'y avait pas de moteur sur les appareils à l'époque, donc j'étais surtout surpris qu'il appuie sans arrêt sur le bouton, en me disant, normalement, je pense que pour faire une bonne photo, il faut appuyer au bon moment, pas faire sans arrêt, clac, clac, clac. Ouais. Après, pourquoi pas prendre une caméra, tu filmes et tu coupes dedans, quoi. Donc voilà, et puis j'ai choisi effectivement de faire me brancher dans la musique parce que j'adorais ça et je me suis dit comme je chantais faux, autant rester dans la musique. Et puis je me suis toujours dit, si j'avais chanté, et si j'avais fait un disque, qui aurait fait la pochette? Oui, effectivement. Est-ce que dans pareil dans le même ordre d'idée, donc on voit d'où vient l'origine de la photo. Et est-ce que tu as en mémoire la première fois que tu as vu Johnny? Oui, bien sûr, j'ai vu Johnny au Guelph, bien évidemment. C'est pareil, là, comme j'étais trop jeune, il y a une époque où j'étais toujours trop jeune ou le plus jeune, maintenant je suis le plus vieux, donc c'est un peu Le temps bizarre la change. vie. Oui, les temps changent. Et oui, j'ai vu Johnny au golf parce que pour aller au golf, il fallait avoir 16 ans, je crois. J'avais que 14 et demi, 15. Alors au lycée, j'ai fait faire, enfin, en 12, j'ai fait une fausse carte d'identité scolaire, j'ai dû gratter pour pouvoir rentrer. Et que donc, les gens qui s'occupaient du golf, c'est-à-dire Henri Lepraud, qui était barman, qui a transformé
le salon de thé et puis il y avait un golf miniature en carton à l'époque encore, avant qu'ils installent par la suite le tremplin du golf où tous les groupes sont passés. Donc je venais là pour écouter de la musique, puisque des potes m'avaient dit c'est l'endroit où il y a de la bonne musique, du rock et tout ça. Donc j'ai fait cette fausse carte d'identité scolaire et je suis rentré dans le golf, au golf comme ça. Et donc j'ai vu Johnny qui déjà avait fait un disque, voire deux, un seul peut-être à ce moment-là. Et il y avait tout le monde, tous les groupes qui se formaient, les Dalton, les Vautours, les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages. Et donc j'ai vu Johnny au golf et qui faisait des démonstrations de twist devant le jukebox. Et quelle était ta première impression? Est-ce que tu t'es dit, ah, ce mec-là, Elle est il est terrible. terrible? Non, j'ai fait des photos d'ailleurs, mais qui ont disparu. J'ai dû prêter à des gens à l'époque. On m'a jamais rendu les négatifs, ça a été perdu. Il avait déjà une aura de Johnny, quoi. De toute façon, même par la suite, Johnny, quand il rentrait même à l'étranger dans un resto qu'on connaissait, à l'étranger où il était inconnu, il dégageait quelque chose. Donc les gens le regardaient. C'est assez incroyable qu'il ait toujours eu ça, quoi. Donc déjà à l'époque au golf, il dégageait un truc, quoi. Et tous les gens, même tous les gens qui débutaient dans la musique, dans les petits groupes, étaient en train de le regarder comme pas une idole, mais enfin comme quelqu'un qui était plus, qui était Presque une déjà. référence Oui, déjà. absolument. D'accord. Est-ce que dans tout ça, ça a suivi pendant 40 ans, à peu près, hein, si j'ai bien appris la 39 leçon, ans, 39 exactement. ans, Je tiens à 39. est-ce que tu pouvais imaginer que cette histoire, justement, allait durer aussi longtemps? Ah non, mais on pensait pas à ça du tout. Moi, Johnny, comme moi, comme d'autres, on pensait mourir à 40 ans ou peut-être même avant, parce que on se disait on va rouler comme des malades, façon de James Dean, et on va avoir un accident, on va mourir en roulant vite, quoi. Donc on pensait pas durer au-delà de 35, 40 ans, quoi. Donc non, je pouvais pas imaginer une seule seconde que ça allait durer comme ça et qu'on allait être. À ce moment-là, quand je le vois devant le jukebox du golf, je ne pense pas une seconde que je vais me retrouver avec lui pendant des années, très proche, et pendant 4, 5, 6 ans, peut-être même un peu plus, du matin au soir avec lui, quoi. Donc non, je ne peux pas imaginer ça Ouais. du tout, non. Et qu'est-ce qui fait que c'était plus Johnny que les autres, que Eddie Mitchell qui était là-bas aussi, que Bah, non, Walter, mais que... je me suis bien entendu avec Eddie aussi. La preuve, c'est que je continue à le voir, je sais pas, c'était peut-être un peu plus tapageur du côté de Johnny, quoi. On aimait bien boire des coups. Eddie aussi, il aime bien boire des coups, il continue. Mais Johnny, je sais pas, peut-être parce qu'il était un peu plus jeune en plus qu'Eddie, peut-être moins calme, et que Eddie a toujours été quand même, il n'a pas été comme un fou en Il train y de avait plus traîner de la nuit. retenue. Oui, il a toujours eu beaucoup plus de retenue, mais c'est son personnage qui est comme ça d'ailleurs. Ce qu'il chante, c'est plus maintenant dans un registre de crooner que du rock pur et dur, quoi. Et puis, je sais pas, on s'est bien entendu tout de suite avec Johnny parce qu'on parlait des mêmes trucs, quoi. Les mêmes trucs nous faisaient rigoler, on se moquait un peu des gens, un peu sur la même longueur d'onde, quoi. C'était quoi justement l'humour à Johnny? Parce que Ah, bah Johnny, il adorait tailler des costards aux gens, surtout quand les gens n'étaient pas là, quoi. Mais là où il y avait des problèmes, c'est que des fois il voulait répéter des histoires drôles et il se plantait à chaque fois. Nous, ça nous faisait rire par contre. Tous les gens, hein, qui étaient autour de lui, parce qu'il disait je vais te raconter une histoire et puis il disait et puis du coup il savait plus la fin. Il a eu ça ou alors il voulait imiter des accents en racontant des histoires genre un accent juif ou un accent pied-noir, il le faisait très mal. Donc on était mort de rire, du coup il se marrait parce qu'il voyait qu'il nous faisait rire, en fait. Voilà, il s'est... Mais sinon, non, ses grands trucs, c'était quand même de semer un peu la zizanie. Il aimait bien foutre la merde entre les couples. Ah ouais. Ouais, et ça l'amusait beaucoup. Donc, bon, après le 24 heures, 48 heures après, il s'excusait presque d'avoir fait ça, mais des fois, le soir, il disait à des gens, j'ai vu ton mari
danser avec une autre, nanana, nanana, t'es au courant? Alors la femme disait bien sûr que non, puisqu'elle était pas sortie. Et puis ils faisaient le pareil avec le mari, quoi. Ah ouais. Elle racontait l'inverse aussi. Et ils étaient morts de rire au téléphone en faisant ça, donc ça se met pas mal la merde. De toute façon, il a toujours dit qu'il était possesseur de la carte de président du club des fouteurs de merde. D'accord. Donc. J'étais jeune, j'avais pas 20 ans, j'étais increvable, j'avais tout mon temps, j'avais toute ma force, on ne pouvait pas me bouger comme un roc. J'avais 20 ans, les choses étaient claires, j'ai trouvé une femme. Une femme que j'aimais, il n'y avait pas de mystère, un amour très fort, comme un roc. Les deux mains valides, tranquilles et solides, j'avais tout construit, oh, et dans ma vie, il y avait toi et moi. Je me tenais tout droit comme un roc. J'avais 20 ans, les choses étaient claires. J'ai trouvé une femme que j'aimais. Il n'y avait pas de mystère, un amour très fort, comme un roc. Comme un roc, j'avais confiance. On va revenir un petit peu côté artistique, côté scénique Ouais. de Johnny. Qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon photographe de scène? Ben, je crois que c'est d'abord il faut connaître le tour. Il faut connaître, savoir à quel moment
il se passe telle et telle chose, ou dans l'attitude de Johnny, ou dans la position des musiciens, et pouvoir anticiper. Donc, moi, j'ai toujours voulu assister aux répétitions. J'ai fait souvent des spectacles plusieurs soirs de suite, parce que quand tu es tout seul, quand il y a une équipe de télé, par exemple, il y a plusieurs caméramans, quand tu es tout seul, tu es obligé de faire le spectacle de face, de côté, à droite, à gauche, enfin côté cour, côté jardin. J'ai même été à l'Olympia en haut dans les cintres, parce qu'à un moment, je savais plus que, après l'avoir fait de derrière, sur la scène aussi de chaque côté, un jour, c'est un Olympia, je crois, quand Johnny chantait avec Sylvie, il y a assez longtemps, je ne savais plus quel côté prendre. Alors, du coup, je suis allé en haut dans les cintres, au-dessus de la scène. Ouais. Donc, une fois que je suis arrivé là-haut, j'étais en sueur et plein de poussière. Et à l'époque, les projos, ça Ouais, c'est chauffait. vrai. Donc, j'étais vraiment en sueur. Et arrivé en haut, je me suis rendu compte que ça donnait rien. Ça avait des gens vus de Ouais, dessus, on ça n'a peut, aucun ouais. intérêt, quoi. Et donc, j'ai fait quand même une dizaine de photos. Je suis redescendu, plein de poussière et tout. Je me suis dit, au moins, j'aurais tout fait. Je pense qu'il faut couvrir le plus possible et puis anticiper les mouvements, parce que en gros, il y a des moments où il fait un peu les mêmes trucs sur un break de batterie ou des choses comme ça. Donc, il faut anticiper. Il y a des moments où je me suis fait avoir moi-même, parce que, comme je disais l'autre jour, la période qui m'a branché le plus, bizarrement, c'est quand il a repris tous les titres de soul music, toutes Ouais. les adaptations de Wilson Pickett, de James Brown ou de Otis Redding, tout ça. J'ai bien aimé cette période parce il y a eu un apport de cuivre à ce moment-là. Et il y a un titre que j'aime beaucoup, que j'ai réécouté il n'y a pas longtemps, qui est une adaptation d'un truc des Beatles qui va s'appeler I Got to Get You Into My Life, et ça s'appelle par Johnny, Je veux te graver dans ma vie. Oui. Pas là, pas là, pas, pas. Donc, Exact. pendant tout le spectacle, à ce moment-là, je me suis surpris à taper du pied. Et à un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête parce que toutes les photos vont être Ah bougées, ouais. floues. Parce qu'il y avait tellement de rythme et de swing, quoi, dans le truc, qu'on est pris dans le truc. Donc, je pense que si tu fais des bonnes photos, parce que c'est un mélange de tout ça, de savoir à quel moment il se passe ça et ça, et puis d'être pris dans le truc, quoi. Moi, souvent, on m'a demandé, c'est pas que pour Johnny, mais pour deux gens, on m'a dit, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle? Je dis, j'ai rien vu, parce que je vois dans un truc qui est grand comme ça. Je suis concentré en train de me dire, il faut pas. J'ai souvent essayé de pas voir l'ombre du micro. C'est-à-dire que j'attendais que le micro soit décollé de la bouche, parce que sinon, tu as une Ouais, ça espèce de freine. micro qui bouge là, plus une ombre, c'est pas terrible, quoi. Il vaut mieux voir la gueule. La croise tous les matins, 5h40. Elle va prendre son train, et moi je rentre. Sa journée, toujours à l'heure. Moi, la lumière me fait peur.
prendre son train. Et moi je rentre. Va prendre son train et moi je rentre. Une question, est-ce que Johnny avait des exigences par rapport à la, aux prises de vue? Est-ce qu'il te disait tiens j'aimerais bien que tu fais ça ou ça j'aime pas que ce côté là ou... Non mais moi le côté je le connais. Ouais. Mais tu le connais parce que justement à part habitude ou alors est-ce que lui il t'a dit tiens... Non non lui il m'a rien dit, si tu veux il y a plein de gens, il y a une époque où j'avais un cahier avec les axes des gens notés. Oui, pour gagner du temps. Parce que quand j'arrivais à voir Eddie Mitchell ou, je dis n'importe quoi, même Hervé Villard ou Christophe, je me disais, pour gagner du temps, je sais que son axe c'est ça. Je vais pas lui dire, attends, mets-toi comme ça, mets-toi comme ça, je savais que c'était ça. Donc, j'avais noté des trucs pour, à l'époque où je faisais 27 jours par mois des prises de vue de gens tous les jours, quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, ou quasiment. Donc, autant pas perdre de temps. Mais non, Johnny. Johnny est complètement photogénique. Il n'y a pas de problème de d'axe, pratiquement pas quoi. Alors non, il n'y a jamais d'exigence. Il faisait totalement confiance quoi. En plus, donc il a non. Peut-être, je parle pas d'axe, hein, mais peut-être sur certaines idées de photos, de décor, tout ça, il me disait pourquoi tu préfères pas là que là et encore quoi. Ouais. Non, il laissait libre choix. Ouais, ouais, ouais. Tu viens de... C'est normal, 39 ans. tu sors ouais. un livre. Ouais. Donc, on peut voir. Je vais le prendre et le montrer à la caméra. Voilà. Fais gaffe, c'est lourd. Hein. Ouais. Johnny Hallyday, les années Tony Frank. 600 photos. Ouais. Je me demande, pour trouver, mettre les 600 photos, vous avez mis combien de temps? Est-ce que ça n'a pas été vraiment... On a fait ça une nuit entière. Une nuit seulement? Non. Non, on a fait ça... je sais pas, 15 jours. 15 jours? Non, 15 jours, 3 semaines, pour sortir des trucs au milieu de, je sais pas, 20 000 photos peut-être. Ouais. Donc on a mis 15 jours parce qu'il fallait y aller. Quoi. Ouais. Quand il faut y aller, comme dit l'autre. Et donc on n'a pas traîné. Il faut tu mets le nez dedans, il faut avancer. Quoi. Une fois qu'on a fait des choix dans chaque. Vous aviez des critères de sélection ou... On a essayé de trouver des trucs pas vus ou très peu vus. Et puis, ce qu'on a surtout évité de faire, c'est des photos avec people, là, des trucs qui servent dans les torchons vendus dans les kiosques journaux. Ouais. Disons le mot de paparazzi, quoi. Ouais. Je ne sais pas faire ça. On a évité surtout les photos de mariage, de fiançailles, de. J'en ai pas mal, mais c'est pas la vie de Johnny, quoi. Ça, c'est du magazine à la con. Voilà. Et Johnny, sa carrière, c'est quand même basé sur le spectacle, sur la scène. Sur la scène, essentiellement. Et, bon, il y a plusieurs parties dans le bouquin. Il y a des reportages où on voit effectivement lui en vacances, Sally Maurice avec Nathalie Baye, il y a 2 pages. Des photos encore dans une catégorie reportage. À Rio, dans des inondations avec Sylvie. Et puis, il y a une ou deux photos avec Laetitia à Las Vegas, qui font partie du moment de Las Vegas, qui est la partie de scène, je crois qu'il y a 80 pages, ou 90, sur la partie spectacle, parce qu'il fallait bien s'arrêter à un moment, sinon le bouquin, il y a déjà 280 pages, ou 90, on aurait pu faire quasiment le double, ou ouais. 50% de plus. Mais bon. Et je confirme qu'il pèse. Oui, il pèse. Mais on l'a fait parce qu'on s'est dit, Johnny, s'il était encore là, il aurait pu s'en servir pour faire des musculations. Ah oui, exact. C'est
ta voix qui dit dans la nuit. C'est toi, Johnny. C'est ta voix, mais c'est pas moi. Tu m'aimerais pas si j'étais moi. J'ai pris à ta vie plus que la vie. J'ai pris à ton corps plus que ton corps. Tu m'as donné une autre vie. Quelquefois j'en crève encore. C'est ma voix, mais c'est pas moi. Tu m'aimerais pas si j'étais moi. C'est ta voix qui dit dans la nuit. C'est toi, Johnny. C'est ta voix, mais c'est pas moi. M'aimerais pas si j'étais moi. Quand je voyais un avion dans le ciel, je crachais par terre quand j'étais petit. Maintenant j'espère de tes nouvelles entre Roissy et Orly. Oh, c'est ma voix. Mais c'est pas moi. Tu m'aimerais pas si j'étais moi. Ah oui, exact. Tu parlais de Las Vegas. Oui. Las Vegas, un souvenir pour toi. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Est-ce que tu peux des anecdotes sur Las Vegas? Ben, c'était quand même un mauvais souvenir parce que c'était pas prévu comme ça à la base. À la base, le spectacle devait être répété aux États-Unis avec les musiciens qui étaient là-bas et moi, j'avais prévu, enfin, on m'avait demandé pour des magazines comme Match, VSD, etc., de faire 10 ou 12 pages pour chaque magazine. Donc, moi, j'avais prévu de faire des répétitions. Je crois que ça devait être à Miami, donc je me suis dit, il y a du soleil. Il y aurait des répétitions peut-être même à l'extérieur. On pourra se balader en dehors de la scène, ou de, je sais pas quoi, peut-être même faire des photos dans la marina, ou quand il y a des breaks, se balader un peu. Donc j'étais persuadé qu'on allait faire ça comme ça, et en fait, je ne saurais jamais pourquoi, il y a eu un changement, et on a fait des répétitions à Paris, donc les musiciens sont venus à Paris, plus ou moins avec un temps pourri, humide, machin, et puis
On répétait dans un, enfin, il répétait dans un petit studio dans le nord de Paris. Et bien sûr, Johnny a chopé la crève, la grippe, moi vaguement aussi, pas par mimétisme, mais je sais pas, il faisait un temps de merde. Donc il allait aux répétitions, il répétait une heure ou deux, enfin, que je raconte une heure ou deux, une chanson ou deux. Et puis finalement, il en avait marre parce que le son n'allait pas, du coup. Il demandait à Bamy de finir la répétition. Eric Bamy, qui était son choriste pendant longtemps, enfin, la deuxième fois. Et contrairement, je tiens à dire ça, il y a plein de gens qui ont pensé que Eric chantait à la place de Oui, Johnny. Ou, ça s'est dit, oui. ça, c'est complètement faux. Eric, qui était mon ami aussi, il est clair que Eric faisait la même voix que Johnny sur scène, mais pour doubler la voix de Johnny dans certaines chansons, il n'a jamais chanté à la place de Johnny. C'est pas possible. Et puis Johnny n'aurait jamais laissé faire ça, de toute façon. Donc finalement, les répétitions sont assez mal passées ici. On est arrivé, Johnny et moi, avec ma femme qui était sa maquilleuse, et Laetitia en avance, avant tout le monde, chez le producteur du spectacle là-bas qui était Norbert Allemand. Et à peine arrivé, genre 40 de fièvre, donc on est allé dans une salle de sport, comme d'habitude. Et je dis à Johnny, on va faire une photo là. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a là? Il est marqué Las Vegas Gold Gym. Je lui dis, ça fait au moins une photo. C'est pas Gold Gym à Paris, quoi. Oui. J'ai marqué Las Vegas. Et puis bon, finalement, de fil en aiguille, il allait tellement mal que Norbert Allemand a fait venir un médecin qui, paraît-il, était le médecin d'Elvis Presley, nous a-t-on raconté. Donc, au bout de, parce qu'il avait vraiment la crève, quoi. Ah ouais. Au bout d'une heure de chant, le médecin, il dit, mais pourquoi il continue à chanter? Parce que moi, je lui ai fait une piqûre pour qu'il tienne une heure. Là, on lui a dit, mais vous connaissez pas Johnny, il faut qu'il est parti. Mais il va s'écrouler parce que la piqûre ne va pas tenir assez longtemps. Et ce qui est complètement fou, c'est que le film d'Elvis qui est sorti, Oui. il y a le colonel, il y a Elvis qui est par terre, il y a le colonel par terre qui dit au médecin, refaites-lui un shoot, j'ai repensé à Las Vegas à cause de ça, quoi. Donc finalement, ça s'est terminé tant bien que mal. Mais moi, je n'ai pas fait de photo, je n'ai jamais rien pu faire. J'avais fait venir un assistant avec moi pour donner les films à développer au fur et à mesure, parce que c'était pas, à l'époque, C'était c'était pas l'argentique, numérique, oui. c'était argentique. Alors j'avais fait venir un assistant, j'étais allé 3 semaines avant avec Laetitia et Jean-Pierre Foucault, enfin peu importe, pour faire une émission, pour présenter Las Vegas, un truc de TF1. Et j'avais repéré un truc de photo, une échoppe de photos, j'avais fait un deal avec le type pour qu'il puisse me développer les photos Au fur et à au mesure. fur et à mesure. Et donc, manque de peau, j'ai fait que des photos de scène, puisque Johnny malade, j'ai fait aucune photo dans Vegas, j'avais pas de quoi fournir au magazine. Il y a qu'un moment, je voulais faire une photo, j'ai dit juste avant qu'on aille au spectacle, une heure ou deux avant, j'ai dit la nuit va tomber, on va aller sur le toit de l'hôtel où tu dois chanter, tu prends des guitares, on fait une photo avec tout Vegas derrière éclairé. Et il y a quelqu'un qui est arrivé en disant, il faut qu'il fasse une interview avec le journal USA Today, qui est le plus grand quotidien américain qui est distribué dans tous les États des États-Unis. Et du coup, il a fait l'interview et on nous a dit qu'il faut aller direct au spectacle. Je n'ai même pas fait Mais cette photo-là. cette photo-là, tu n'as pas pu la faire. J'ai fait une photo, il sort de scène, il monte dans la limousine, j'étais dans la limousine avec, j'ai oublié son nom, le coach. Camus? Non, l'entraîneur de sport, Dos Santos, je ne sais plus son prénom, il va m'en vouloir, mais il y a longtemps que je ne l'ai pas vu comme ça, il saura que c'est de sa faute. Bref, il est dans la voiture, Johnny sort de scène avec une serviette autour du cou en sueur, moi je suis dans la bagnole, je fais une photo, mais j'aurais pu la faire à Paris, quoi. Oui, Il n'y a pas marqué Las Vegas dans la c'était pas voiture. identifié à Las Non. Vegas. Oui. Donc, voilà, pendant. Donc après il y a eu un repas avec les sponsors de RTL et autres, Philippe Labro qui était là, d'après mes souvenirs. On est allé dîner et l'assistant m'a mis les photos au fur et à mesure, mais il y avait des photos de scène, donc rien de. Donc pour moi, ce Las Vegas, c'est quand même un mauvais souvenir, dans la mesure où j'ai pas pu faire mon boulot, que j'ai pas fourni au magazine tout ce qu'il voulait d'une part, et puis de montrer que Johnny, ça s'était à peu près bien passé. Mais ça n'a pas été non plus. Je crois dithyrambique, le costume était nul, fait par Léonard, le pote de Laetitia.
Il avait ses cheveux avec des rajouts, là, c'était moche comme tout. Le Robert Hollis avait dit, au lieu de faire un décor, on laisse la scène ouverte derrière, le mur va servir de décor, c'était moche aussi. Pas. Donc, y a, je pense, il y a des fans qui ont dû être contents, parce que pour la première fois de leur vie, il y en a qui ont pris l'avion, et il y en a d'autres qui, pour la première fois de leur vie, aller aux États-Unis. Et d'autres qui n'avaient jamais vu Vegas, donc pour eux, c'était... c'est vrai que ça leur a coûté cher, mais je crois qu'ils ont pu payer en plusieurs fois. Plusieurs fois, oui. Voilà. Il y a eu des. Voilà. Sauf qu'ils sont arrivés déjà bien abîmés, parce que dans les avions, il y avait des vidéos, ils chantaient tous comme des malades en buvant des coups. Donc ils sont un peu fait remarquer dans les rues de Vegas, mais bon. Dans Vegas, pour moi. Donc Vegas, pour moi, non, c'est pas été. C'est pas le meilleur souvenir. Pas, non, pas du c'est, tout. C'est ton point fort de tous tes souvenirs, c'est quoi? Il y en a plusieurs, je suppose. Ouais, sur le coup, là, je peux pas dire. Il y a eu des tournées en Amérique du Sud qui ont été assez incroyables, aussi bien musicalement que des choses où on finissait. À l'époque, il y avait qu'une sono et il fallait démonter la sono pour. On savait pas en arrivant qu'il fallait faire un doublon, quoi, qu'il fallait. Ouais. Refaire un deuxième spectacle à 80 ou 100 bornes, donc il fallait démonter. En plus, il faisait une chaleur, une humidité invraisemblable en Argentine et en Uruguay. Je me souviens qu'en Uruguay, ils ont fait le dernier spectacle, le jour se levait, quoi, à 4-5 heures du matin.
Je crois que c'est Mar del Plata, non, je ne sais plus, je confonds. Mar del Plata, je pense, je confonds les villes, mais en plus, si c'est peut-être en Argentine, je ne sais plus. Très bien, mais en tous les cas, le jour se levait, on est repassé à l'hôtel où on devait dormir normalement. Comme il était tellement tard, on a repris nos affaires qu'on avait posées dans la chambre à 7 h du soir, quoi. La veille. On a repris nos affaires, on est remonté dans un train et on a repris un avion. Mais c'était génial, quoi, parce que d'abord, on était beaucoup plus jeunes, on était en forme et on avait des coups de pompe, mais ça allait, quoi. Mais il y avait ça, il y a eu la première fois où j'ai vu Johnny chanter dans un stade où j'avais jamais vu quelqu'un chanter dans un stade, c'était en Argentine, dans une ville qui s'appelait Rosario. Pareil, je crois que c'est le deuxième spectacle. On arrive, c'est un petit stade et les gens sont comme ça, comme dans le métro, les uns aux autres. La scène était assez haute. Ils essayaient de monter quand même. Ils ont fait venir des flics avec des chiens, des bergers allemands pour que les gens montent pas sur scène, quoi. Et la scène était vachement étroite. Tout le monde était collé les uns aux autres, mais c'était génial, quoi. Ça, c'est mon souvenir musicalement. Et puis à l'époque, on dormait pas beaucoup, c'était pas grave. Et puis même, je te dis musicalement, pour moi, c'était ces époques-là, c'était plus rock'n'roll. Et je pense que il n'y a pas que pour Johnny, à cette époque-là, même tous les groupes anglais, tout ça, ça tournait vachement, quoi. Il y avait un autre esprit, plus créatif peut-être, non? Créatif, et puis surtout, On osait? on osait, et puis on ne pensait pas aux problèmes financiers, surtout. Donc tous les gens faisaient leur truc parce qu'ils avaient envie de le faire, et par passion. Après, c'est devenu des grands barnums, et ça coûte tant, il faut gagner tant. Je pense que ça enlève un peu à la sincérité des choses, quoi. Même si Johnny, pour revenir à lui, a toujours donné le plus possible. Moi, j'ai vu Johnny sur tous les derniers moments de sa vie. Il se tenait comme ça, voûté, et puis même derrière la scène, quand il attendait avant de monter sur scène, et puis dès qu'il mettait le pied sur scène, il se redressait, quoi. Parce qu'il avait ce respect du public qui le lui rendait bien de toute façon. Je pense qu'il a toujours été motivé par le public, quoi. Moi, j'ai vu des fois fatigué, crevé, ayant pas envie même, et ben dès qu'il fallait y aller, il y allait, quoi. Je crois que tu as fait cette dernière. The forecast, cloudy and windy today with gusts up to 40 miles per hour. Temperature dropping. Cloudy and continuing windy overnight with a low of 47.53.
toi garde l'empreinte comme une marque vive dans ma chair qui me mène jusqu'aux enfers. Tu me reviendras, oui, je veux y croire. Je crois que tu as fait sa dernière tournée avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Dutronc, oui, j'ai pas fait la tournée, j'ai fait les Vieilles Canailles à Paris, quoi, pendant 5-6 jours. Là. Et ça se passait comment? Est-ce qu'il y avait une bonne ambiance? Ou ah oui, il y avait une très bonne ambiance. Le seul truc, c'est que comme d'habitude, Johnny était toujours en retard. Au moment de sortir de sa loge, à remonter sur scène. Alors, Dutronc était, disons, un peu en avance. Eddie était pile à l'heure et Eddie faisait les 100 pas en disant « Mais qu'est-ce qu'il fout le Belge ?» Parce que comme d'habitude, Johnny avait dit au moins 10 minutes de retard. Quoi. Non, il se marrait. Bon, les loges étaient séparées, mais il se retrouvait en bas de la loge, parce que c'est vrai que dans chaque loge, il y avait les managers de chacun, donc c'était ouais. Un peu séparé, mais tous les trois, dès qu'ils étaient ensemble, ça, c'était comme au bon vieux temps du rock'n'roll et du jukebox, du golf et du square de la Trinité, quoi. Est-ce que tu peux nous parler aussi de Eddie Mitchell qui a fait la préface de ton livre, le rapport qu'il avait avec Johnny? Bon, ils étaient potes depuis l'enfance, enfin depuis l'adolescence. Oui. Mais comment ça se passait entre eux? Est-ce que des fois Non, je crois que Johnny a toujours considéré Eddie comme étant un grand frère, quoi, parce qu'il était plus pondéré que Johnny. Mais je pense qu'Eddie a toujours essayé de le calmer un peu en sachant très bien que ça ne servait à rien. Mais non, ils ont toujours été proches de ceux qui s'appelaient souvent au téléphone pour se demander des conseils de ci, de ça, sur des musiciens, sur des rapports de je vais faire tel titre, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et puis ils se retrouvaient pour bouffer l'un chez l'autre, ou à Saint-Tropez, etc. Non, c'est vraiment une amitié solide, quoi, à tel point que Eddie était un peu furieux pendant les obsèques de Johnny que Lelouch arrive avec son téléphone pour filmer les gens qui étaient au premier rang. J'ai cru qu'il allait mettre un coup de poing dans la gueule parce qu'il trouvait que c'était déplacé, quoi. Ouais. Donc non, c'était une amitié très très solide, quoi. Parlant d'amitié, j'ai lu quelque part que tu étais là quand Johnny et Jimi Hendrix se sont rencontrés. Là, je fais un bond en arrière. Ouais. C'était en 66, je crois. C'est de mémoire. Un truc dans ce genre-là, oui, ouais. Parce que c'était dans une boîte où on allait souvent à Londres à ce moment-là. Enfin, on allait très souvent, soit pour des enregistrements, soit pour faire des reportages pour ses vieux copains et autres. Et on était dans une boîte restaurant qui s'appelait Speakeasy, si mes souvenirs sont exacts. Et
Et on voit, je crois que c'est parce qu'on connaissait le manager de Jimi Hendrix, qui s'appelait Chas Chandler, si je me souviens bien, qui était le bassiste du groupe des Animals. Alors moi, j'avais fait des photos avec eux, et je le connaissais aussi, donc il était assis là, il nous présente Hendrix dans la boîte. Donc il parle, et puis il parle de ce truc avec Joe, qu'il venait de faire. Et donc Johnny a écouté le truc, il a voulu refaire le la titre, française. et Hendrix joue dans joue sur le titre de Johnny, quoi. Et puis après, quand Johnny est passé peu de temps après l'Olympia, il a demandé à Hendrix de faire la première partie, qui est passé en première partie, effectivement, qui a cassé sa guitare, qui s'est mis à genoux, qui a mis le feu à sa guitare. J'ai fait toutes ces photos-là et quelqu'un les a perdues. Ah, c'est dommage. Mais ça fait le deuxième mauvais souvenir que tu vas demander de raconter. Donc, j'ai mis 203, quel est le troisième? Je ne sais pas pour l'instant. Sous le mirador.
Et parce que moi j'ai eu, je suis fan d'Hendrix aussi. Ouais, ça se voit. Et le comment s'appelle? Est-ce qu'il y a eu cette tout de suite cette petite chose qui a fait de dire à Johnny de dire voilà, ça c'est un guitariste, c'est vraiment Oui, mais Johnny a toujours parce que ouais, un pif, il a quoi. su Je veux dire, s'entourer. il a toujours, il a toujours fonctionné un peu au feeling, Johnny. C'est évident. Je veux dire, il était un peu précurseur en disant, en prenant telle et telle chanson, enfin tel et tel style de musique. On dit, et je l'ai dit souvent, que c'était un caméléon parce qu'il se mettait dans la peau des personnages qu'il récupérait des États-Unis ou d'Angleterre. Alors, il faisait pas de la copie, puisque comme je te disais tout à l'heure dans le titre des Beatles, qu'il a adapté, je vais te graver dans ma vie, c'est différent. Il y a des cuivres, les Ah bah Beatles, c'est pas de complètement, oui. cuivre. Donc à chaque fois, il a adapté les choses, mais à son envie, à lui. À chaque fois qu'il a eu une chanson à chanter, il a d'abord il lisait les paroles, il changeait des petits mots par-ci par-là. Et la preuve, c'est que il y a eu cette fameuse polémique, et ça, c'est pas un troisième mauvais souvenir. Il y a eu le truc, tout le monde se moquait de lui, parce qu'ils disent, y compris à Canal+, la marionnette, ils disaient, ah que. Ben, c'est parce que la chanson, c'est que je t'aime, et lui, dans son phrasé, il prenait une espèce d'élan en disant, ah que je t'aime. Et c'est tout. C'est venu de là, le Ben, c'est hacker. la queue, c'est venu de là. Alors tout le monde se moquait de lui, et puis le problème, c'est que Canal+, ils ont pas voulu l'enlever, parce qu'ils ont fallu enlever la marionnette. Donc, ils n'ont pas voulu jusqu'au moment où Oui, il a coupé le nez, cette fameuse oui, scène non, mais de. ils l'ont surtout enlevé parce que les gamins à l'école se moquaient de Laura, la fille de Johnny, parce qu'ils disaient, ah, t'es la fille de Hacker, machin. Donc, Johnny est allé quand même raconter ça aux gens de Canal+, qui ont arrêté à cause de ça, quoi, ou grâce à ça. En tout cas, tout ça pour dire que il a toujours adapté des choses, mais en se les appropriant différemment, quoi. Il les a adaptés à sa façon. Exactement. C'est un interprète, ce qu'on Ouais. appelle un interprète. C'est peut-être le secret de l'interprète. C'est justement que, après, ça devenait des chansons à Johnny. Oui. On est d'accord. Nous sommes d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose un petit secret là-dedans, dans ce livre, qui pourra inciter les gens à dire, voilà, on veut l'ouvrir. Est-ce qu'il y a quelque On chose veut le louer, on veut l'ouvrir? mais oui, ce qu'il faut, c'est que déjà ils l'achètent, ensuite. Non, mais Non, je sais pas. Ça me fait marrer parce qu'en même temps, je pense à l'histoire du film avec Claude Lelouch de Johnny Hallyday. Vous l'avez raconté, non? dans lequel je t'aime salaud, non? Oui. L'histoire sur l'affiche, ils se marrent tous les deux. Ouais. Vous savez pourquoi? Non? On peut le dire à propos du secret. Non, l'histoire, c'est que Donc. il y en a un des deux qui donne une montre à l'autre. Je t'ai rapporté ça ou je t'ai mis en galop. Et Lelouch, il veut qu'ils disent, tiens, je t'ai ramené une Swatch. Et donc, ils font la scène, et exprès pour faire chier Lelouch, ils commencent à dire, tiens, je t'ai ramené une Kelton. Après, non, coupé, c'est une Swatch. Alors, tiens, je t'ai ramené une comment ça s'appelle, les montres Roger, là, une Breitling, par exemple. Non, coupé, ils ont fait faire 6 ou 7 fois, et à chaque fois, ils étaient morts de rire, parce que Lelouch disait coupé, parce que lui, il voulait absolument qu'on cite le truc pour demander du pognon Bah au fabricant. Et donc, ils faisaient exprès, voilà pour il paraît qu'ils se marrent sur l'affiche à cause de ça. Mais une fois que les gens ont vu ce livre entièrement, Johnny n'aura plus de secret pour eux. C'est ça, le secret. merveilleux. Je ne suis qu'un homme
sans océan, au parterre de fleurs qu'elle attend. Je n'ai que les pieds de ma voix, c'est peu de choses, mais c'est moi. Je suis qu'un Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir. Avec plaisir. Et puis j'espère qu'on se reverra bientôt. Ah ben j'espère aussi. Hein. Pas que vous faites des fiestas sans arrêt. Donc on n'arrête pas. Je vais tâcher de venir. On n'arrête pas. Et la prochaine d'ailleurs sera le 14 janvier. À d'accord, Paris, okay. Avec les anciens musiciens de Johnny, les anciens choristes, les anciennes choristes. Ouais. Et ça doit être des gens que je connais, ça, tout ça. Oh, il y a des chances. Bien sûr. Des chances. Okay. Petite dernière, ta période préférée de Johnny? Pas les dernières, en tous les cas. Plus tout ce que je disais tout à l'heure, au moment des Blackbirds, des cuivres, tout ça, tout ce qui était. Ouais, c'est ça, ouais. Là où c'était. Où ça poussait beaucoup. Ouais. Après, c'est devenu, j'ai rien contre Goldman et Berger, mais je veux dire, c'est devenu plus calme, plus, c'était moins rock'n'roll, quoi. Ouais, c'était plus consensuel. Voilà. Voilà. Merci, Tony. Et pas de quoi, avec plaisir. À bientôt. Okay. Au revoir. Ciao. Un instant étrange, tu me regardes en silence, ça ne dure que quelques secondes, et tu t'en vas dans ton monde. C'est un moment distance, ton regard en dissidence, et je vois passer une ombre. Quand tu me fuis, quand tu sombres, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu es au pays de tes rêves, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu tombes, c'est un moment si intense.
n'a plus la moindre importance. Et tu retournes en pénombre pour me laisser dans ce monde. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu es au pays de tes rêves, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Tu reviendras du pays de tes rêves, je serai là. Ne m'oublie pas.